Ça marche, c'est bon. Ouais. Parker a besoin que Salavry traite au moins 45 mètres de terre à l'heure s'il veut garder l'espoir de réussir sa saison. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On dirait que ça marche. C'est la première étape. Si ça marche, tu peux pas te plaindre, non? L'an dernier, on tournait aux alentours de 20 mètres par heure. Et là, on est à peu près à 60. 60? De 20 à 60? Tu penses que les modifications qu'on a faites vont être rentables? Ça m'a l'air plutôt bien. À Quartz Creek, Todd Hoffman a promis à ses hommes qu'ils verraient de l'or dans la semaine qui suit leur arrivée. C'est maintenant le septième jour et la rampe de lavage est toujours désespérément vide. Je suis super nerveux. Il nettoie maintenant le concentré des rampes de lavage pour voir s'il contient de l'or. Regardez! Et voilà! Vous avez vu ça? Ça fait plaisir à voir. Ça, oui. C'est génial. Les gars, il ne nous a fallu qu'une semaine. L'an dernier, ça nous a pris combien de temps? La moitié de la saison. Vous avez fait un boulot incroyable. Il nous reste 140 jours. On peut le faire. Super! Trouver de l'or 7 jours après notre arrivée, c'est vraiment génial. On a trouvé une belle quantité, mais comme on dit, le meilleur reste à venir.